Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, bande konabiso babolingo, banabetu basuibwe, wandugu wapenzi, bampangi na beto. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient d'être proclamé officiellement vainqueur de ces élections par 73,34%. Moïse Katumbi sort deuxième avec 18%. Martin Fayoulou sort troisième. Délice Sanga sort quatrième. Etc. Voilà, chers compatriotes, il a fait un discours. Il a expliqué par A plus B comment ça s'est passé et que les incidents qui sont arrivés sont des incidents, des irrégularités isolées et qui n'ont aucun impact sur le résultat final. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi déclaré vainqueur. Alors, si vous voulez voir les détails, regardez notre vidéo précédente, c'est un direct. Nous l'avons publié il y a quelques minutes, si vous voulez voir les détails. Voilà, chers compatriotes, ça mérite un pas de danse et une bouteille de champagne, pourquoi pas. Désormais, nous pouvons penser à notre souveraineté, nous pouvons dire adieu au néocolonialisme et bonjour les partenariats gagnant-gagnant. C'est lui qui ne veut pas qu'il plie bagage, qu'il s'en aille. Et bientôt, nous allons changer, nous, la République démocratique du Congo, nous allons modifier la constitution, nous allons attaquer le Rwanda et arriver à la victoire. Voilà ce qui doit nous attendre. Le président de la République est désormais président de tout le monde, de ceux qui l'ont élu et ceux qui ne l'ont pas élu. Soyons unis, chers compatriotes, vivons dans la paix. Alors, je souhaite bon glissement à tous et bonne année à tous les Congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bale,
Jérôme.